Allons ici. Pourquoi, d'après vous, Dieu Isis a laissé Nadal à la finale, à la Coupe Davis? Et souvenez-vous que j'ai montré la preuve absolue que le nom Davis est lié à Dieu Isis, existe au monde de Dieu Isis. Donc, ils maudissent le nom Davis de Dieu. Donc, pourquoi, d'après vous? Ça fait depuis une semaine que je pensais à ça à mon esprit, Atahualpa. Et souvenez-vous que dans mes vidéos, j'avais montré ce Atahualpa, qui il est, Atahualpa, et que j'ai même montré la preuve sous Pizarro. Pizarro et Patricia. C'est Patricia qui est Pizarro. Mais lui, Pizarro, a eu le nombre 9 à la main gauche, a eu la révélation de Dieu, et qui a dit la vérité, qui est Atahualpa. Et on constate que là aussi, la religion reptilienne a créé plein de mensonges sous Pizarro. Vous avez compris? N'ont jamais dit la vraie vérité sous Pizarro. Vous avez compris sur ça. C'est comme là, regardez, Atahualpa. Sous Atahualpa, ils ne disent pas toute la vérité. On le constate. Mais on a la preuve absolue que Atahualpa est lié avec Inca. Inca, Maya, c'est les mêmes qui sont là. Inca, Maya, Indien, c'est les mêmes. C'est les mêmes putes qui sont là. Les cannibales, les tueurs. Les tueurs de la religion reptilienne. Donc, allons ici. Donc, pourquoi, d'après vous, Dieu Isis a laissé, en plus, l'Espagne, puisque j'ai montré la preuve absolue que c'est Pizarro, qui est patricien, qui a tué Atahualpa. Pizarro a défendu, mais n'a jamais défendu de tout ce que vous dites, de tout ce qu'ils disent. La religion n'a jamais été liée à ça, puisqu'il avait eu le nombre 9 à la main gauche. Le nombre 9 de Dieu. Vous avez compris sur ça. Donc là aussi, ils ont créé plein de mensonges sur Pizarro. Vous avez compris sur ça. C'est pour ça qu'il faut faire attention aussi sur certaines photos qu'on vous montre. Vous avez compris sur ça. Et qu'ils font croire que ce serait Pizarro. De faire très, très attention à ça. Donc là. Allons ici. Puisque Atahualpa est là. Sous Stellarium. Il y a la preuve sur lui. Voilà. Atahualpa. Le nom Atahualpa est là. Regardez. 47-21. On voit le nombre 47-21. Atahualpa est là. Qui va joindre à ça? Allons sur Open, là. Sur le tennis. Donc, le match est terminé. Hein? Le match est terminé. Donc, regardez. Garbine Muguruza. Regardez bien. Garbine Muguruza. Mais on voit que Muguruza est lié avec le drapeau de l'Espagne. Ça fait depuis une semaine que j'avais compris sur ça, que je pensais à ça. Atahualpa, l'Espagne, je pensais à ça à mon esprit. Donc, la vérité de Dieu est là sur ça. J'ai réussi à trouver la vérité absolue sur ça. Le 30 janvier 2020, fin d'Atahualpa. Fin d'Atahualpa Muguruza. Là, Dieu nous confirme que l'identité Muguruza, c'est Atahualpa qui est Muguruza, qui est sous l'identité Muguruza. C'est ça que ça veut dire. Le 30 janvier 2020, fin d'Atahualpa Muguruza, et qui donne 2016. Ce n'est pas pour rien qu'on a vu l'Espagne sous la Coupe Davis. Vous avez compris sur ça. Qui joint sous leur fin fatale, la fin d'Atahualpa, le cannibale. Vous avez compris sur ça. Le tueur. Donc la vérité absolue de Dieu est là sur ça. Surtout que le nombre 10, regardez, on revoit 77. Regardez. On revoit ce nombre 77. Et là, au tie-break, à la première manche, on voit que le nombre 10 de Dieu est allé contre Muguruza. Et on revoit ce nombre 65. Regardez. Contre Alep. Contre Alep. Et là, on voit le nombre 8. Donc, on a tout compris sur ça.